tant de mauvaise humeur. Ah oui, il y a une tension là juste à côté de moi, je sens qu'il échafouait. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, parce qu'il y a deux Kersauzon déjà. Ouais, ouais. Non, non, je suis content, ça va, Olivier? T'as maigri? Non, je déconne, c'est une blague. Ah, par contre, tes cheveux sont bien mis maintenant. Non, ça te plaît, tu vas grossir avec les hématomes que je vais te faire, papa. Non, sincèrement, non, je suis pas content. Je suis parti en week-end, je vous raconte. Ah oui, oui, on veut t'avoir, oui. Je pars en week-end, je pars voir la belle famille là au Pays Basque. Donc, je vais chez Franck, chez Aline, là, on est à Biarritz, il y avait tout le monde, il y avait tous les anciens de l'ETA. Très sympa. Bonne ambiance, bon délire. Mais Olivier, tu reviens en fait tous les 6 mois, en fait, tu reviens quand t'as un contrôle fiscal, tu repars, comment ça se passe? C'est, je suis à un stade où j'ai plus de contrôle fiscal, je suis même pas au courant, c'est les gens qui s'en occupent pour moi. Bah d'accord. Oui, ah, ça c'est bien ça. Ça va? Eh ouais, le petit Stevie, ton plan cul là. Ouais. T'es vraiment bien, t'es bien en jaune comme ça, sur fond rouge là, on dirait une vieille station Shell. C'est vraiment délicat. C'est vrai, je me demande raison, comment cette émission a pu tomber aussi bas pour inventer régulièrement des croutons de ce genre. Quand c'est vrai que quand t'as bossé avec Yann et Martin, bosser avec toi, hein, c'est pas une promo. Hein, c'est hein. Qu'est-ce qu'il a, Zitrone, là? Qu'est-ce qu'il a, Zitrone? Fallait pas que t'es à gauche, on n'en serait pas là, monsieur.